Le cinquième pont d'Abidjan, baptisé pont Alassane Ouattara, est ouvert à la circulation, mis en service le 12 août par le président de la République. Ce pont de 1,5 km est censé accueillir environ 50 000 véhicules par jour. Un véritable soulagement pour les populations qui l'empruntent avec beaucoup de joie et de fierté, comme vous le verrez dans ce reportage de Nikema Moussa et de Mathieu Rambadé. Le cinquième pont d'Abidjan est désormais ouvert à la circulation. Fortement attendu, les populations espèrent gagner du temps sur les 1,5 km de cette nouvelle architecture. Beaucoup plus de temps, en tout cas beaucoup plus, parce que je dis, il faut faire le détour par l'Indénieux. Bon, là vraiment c'est direct, en 2 minutes, 3 minutes, on est déjà au plateau, donc c'est parfait. Aujourd'hui, comme c'est la première fois, on était plus concentré sur le pylône et tout, mais bon, je pense que la prochaine fois, on verra un peu tout ce qu'il y a à côté, quoi. Je suis vraiment satisfait par cet ouvrage. Ça nous fait gagner en temps, très rapidement. Et ce pont, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce pont parce qu'il va désengorger la voie lagunaire. Vous voyez, voilà, parce que ici, tout est rapide. Quitter Cocody, arriver au plateau en tout au plus 5 minutes. En plus, l'ouvrage est doté d'une piste cyclable pour faciliter la circulation des deux roues. De là, j'ai commencé et de commencer à Saint-Jean, bon. C'est rapide quoi, c'est rapide, voilà. En moins de 10 minutes, ils sont à Saint-Jean. Avant, on passait par l'Indénier, faire un grand détour pour aller à Saint-Jean. Et maintenant, d'ici, on va directement à Saint-Jean. Donc, c'est rapide. Puisqu'il y a cette blanche-là, nous, facilement, on peut rouler ici. Il y a les piétons là, et nous, les motos, on passe ici tranquillement. C'est très fluide. Tout à l'heure, j'avais voulu partir de l'autre côté. Mais quand j'ai vu que le point est praticable déjà, automatiquement, je viens au niveau de Saint-Jean. Et puis, je fais le reste de mes courses. Je n'ai pas fait 3 minutes pour traverser le pont. Seul bémol observé aux premières heures, le ralentissement dans le sens plateau Cocody, du fait du feu tricolore au carrefour du lycée classique. Le feu là, on doit vraiment augmenter le nombre de minutes pour que ici soit un peu fluide. Et puis l'autre, bon, on fait ça à un temps un peu bref. Sinon, dans l'ensemble, tout va très bien. Inauguré le 12 août dernier par le président Alassane Ouattara, le premier pont à Auban en Côte d'Ivoire allie la commune de Cocody à celle du plateau. Avec un tronçon central aubanais de 200 mètres, soutenu par 19 câbles, monté sur un pylône de 108 mètres de haut, le pont Alassane Ouattara devrait désengorger la circulation dans la capitale ivoirienne.